Vous avez été d'une aide précieuse, les amis. On va tellement s'amuser demain à la fête des cow-boys, pas vrai? Je vous encouragerai. Que se passe-t-il? Pourquoi mes cochons font-ils autant de bruit? C'est pas vrai. Elle est endormie. Je suis coincé. Il faut que j'appelle la patte patrouille. Merci beaucoup. Comment va votre pied? Il est recouvert de boue, mais tout va bien. Venez vite. Ruben, mets des bottes de foin à la place des tonneaux. Suivons-la! Chase! Elle fonce droit vers Oscar et Galinetta! Je suis sûre, Marco! Stella, nous avons besoin de toi et de ton hélico! Elle doit rester éloignée du bord jusqu'à ce que Stella arrive! Chase, grimpe jusqu'au sommet! Semelle ventouse! Madame Goodway, stop! Excusez-moi, aurais-je raté quelque chose? J'ai dormi comme un bébé. Pas de patrouille au complet, paré à l'action, chef! Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Rocky et l'inspecteur sont coincés dans la forteresse en carton et celui qui est au volant du bus conduit dangereusement. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Ruben met toujours la gomme. Parfait! La Batte Patrouille part en mission! Faites-moi sortir! Je ne peux pas! On doit résoudre les énigmes pour que les portes s'ouvrent! C'est toi qui l'as construite, tu ne connais pas toutes les réponses? Non, moi j'ai seulement installé les écrans. C'est l'ordinateur qui choisit les énigmes. Ah bon, dans ce cas, à l'aide! C'est pas vrai! Attention, monsieur, un bus arrive à toute allure! Je vais arrêter la remorque! Je m'occupe du bus! Pilotage automatique! Préparation! Et... je saute! Désolé, vous deux, la balade est terminée! C'est du bon travail, Zuma! J'espère que Ruben rattrapera cette remorque à temps! Je te tiens! Ouf! Treuil! Ouh! Voilà, on tient la remorque! Alex, me ferais-tu cet honneur? La forteresse en carton de la Grande Vallée est officiellement ouverte! Youpi! Wouhou! Merci d'avoir sauvé notre forteresse! Y'a pas de quoi! Si votre forteresse s'est fait la malle, il suffit de nous appeler! Patrouille au complet et paré à l'action, chef! Merci d'avoir fait vite, les amis. Je ne sais pas comment il a fait, mais Monsieur Hellinger est coincé à l'intérieur d'un lapin en chocolat géant. J'aurais jamais cru que Monsieur Hellinger était encore plus gourmand que moi. Et maintenant, quelque chose l'emmène dans la forêt. Alors, il faut vite aller lui porter secours. Donc, pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Compris, Chase est sur le coup. Et de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait! La Batte Patrouille part en mission! À l'aide! Stella, envoie ton harnais! C'est compris, Ryder! Stella, dépêche-toi, le soleil fait fondre le chocolat! Chase, va au fond de la crevasse et prépare ton filet! D'accord, chef! Qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je l'avais presque attrapé. Ouf, filet. Oh.
Ryder, le lapin a rebondi. Et maintenant, il est emporté par le courant. Zuma, viens immédiatement avec ton aéroglisseur. Prêt à plonger dans l'action. Maintenant, il faut qu'on ramène ce lapin sur la berge. Ryder, on a un gros problème. Tu as raison, ces dauphins sont trop près de Monsieur Ellinger. Zuma, j'ai besoin que tu ramènes le lapin sur la berge et vite. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Ellinger, attrapez la bouée! Bon, vous en avez mis du temps, mais merci de m'avoir sauvé. De rien, c'est normal, Monsieur Ellinger. Si vous êtes coincé dans un lapin en chocolat géant, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille, au complet, prête à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Le ballon de Monsieur Ellinger détruit tout sur son passage et risque de gâcher le concours de melon. Pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Tu utiliseras ton filet pour arrêter le ballon et limiter les dégâts. Et de toi, Rocky. À l'aide de tes outils, tu répareras tout ce que le ballon aura cassé. Allons-y, la patte patrouille part en mission. Vite, Chase, ton filet. Espèce, ne t'approche pas de mon vrai melon. Tenez bon, madame, et ne vous en faites pas, surtout. J'appelle tout de suite du renfort. Je suis là. Ou plutôt ici. J'étais presque. Ce ballon ne cesse de rebondir. Il faut l'arrêter le temps que Stella attrape Madame Goodway. Ah, j'ai une idée. Rocky, rejoins ton camion de recyclage et prépare-toi à jouer au basketball. Et voilà. Je dois juste faire quelques modifications. Maintenant, c'est le plus grand panier de basket au monde. Suffisamment petit pour que le ballon ne passe pas à travers et suffisamment grand pour l'attraper. Allons-y. Ça devrait aller. File au bon moment. Chase, utilise ton lance-balle. Infiniment, la patte patrouille. Ravi d'avoir aidé. Si vous avez un problème de ballon, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. L'étal de fruits de Monsieur Porter a roulé jusque sur la route. Oh non! Donc il est coincé parmi les voitures. Quoi? En plein milieu de la circulation? Il faut l'aider, c'est extrêmement dangereux. Ça, tu l'as dit. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ton mégaphone et tes cônes de signalisation, tu vas dévier les voitures pendant qu'on aide Monsieur Porter. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Tu vas remettre l'étal de fruits à sa place avec ton bulldozer. Ruben met toujours la gomme. Génial! La patte patrouille part en mission. Je suis là, Ryder. On arrive, Monsieur Porter. Chase. Je suis sur le coup. Cône de signalisation. Mégaphone. Merci de suivre les cônes et de tourner par ici. Oh, merci, Ryder. Ce n'est rien, Monsieur Porter. Tu es prêt, Ruben? Je suis prêt. Ne les réduisent en compote. De la compote. Monsieur le comte, comment ça va au palais royal? Un bouclier vient d'être volé et dessus est gravée la carte qui mène au chaudron du sommeil. Ça alors, le chaudron du sommeil. Il dégage une fumée enchantée qui endort tout le monde. J'ai compris, on arrive tout de suite. Le comte dort aussi.
On ne peut pas aller plus loin dans la ville. Si on respire un de ces nuages de fumée, nous aussi on va s'endormir. Ryder, le chaudron est sur un toit près de l'horloge à côté de la tour. Marcus, Rocky, essayez d'arrêter la fumée. Tout de suite. On s'en occupe. Si seulement on avait un gros réveil pour réveiller tout le monde. Mais oui, c'est une excellente idée. Chase, monte tout en haut de cette tour. On va faire sonner l'horloge dans ton mégaphone dragon. Ce sera un peu comme le réveil le plus bruyant du monde. Mais comment elle va sonner? Les aiguilles sont bien loin du 12. On va utiliser l'aimant pour faire bouger les aiguilles en métal et les placer sur le 12. Mais comment on va faire pour amener l'aimant tout là-haut? Tu vas le catapulter. Ouf, mégaphone dragon. Je suis prêt, Ryder. Paf, catapulte. Merci, Chevalier Ryder. Et merci, les chevaliers. Une fois encore, vous avez sauvé le palais royal. Pat Patrouille au complet et prête à l'action, chef. Un incident est arrivé dans les marais sur la Limande. Une créature a effrayé la famille Goodway et ils ont sauté du bateau. Une créature des marais? Ce n'est pas tout. Oh non! Madame Goodway s'est enlisée dans des sables mouvants et le capitaine Turbo ne répond pas à son téléphone. Mais Ryder, à cette heure-ci, la marée va descendre et le niveau de l'eau sera trop bas pour le patrouilleur des mers. Tu as raison, Zuma. C'est pour ça que c'est un sauvetage extrême des marais qui nous attend. Je suis extrêmement prêt à plonger. Génial! La patrouille part en mission. Patrouille. Zuma. Ces arbres sont en train de brouiller mon signal GPS. Je ne trouve ni la Limande, ni la famille Goodway. Chase, utilise ton drone de marais pour chercher des indices. Wouf! Drone de marais! Oh, des empreintes de pieds! Je parie que les petites appartiennent à Justina et Julius. Et les grandes sont sûrement celles de Madame Goodway. Allons vérifier! Suivons ce drone! Les voilà! Madame Goodway! Justina! Julius! Oui! C'est la patrouille! Je savais qu'il viendrait! Ruben, sors ta planche de surf pour dégager Madame Goodway! Ruben, mets la gomme puissance extrême! Wouf! Wouf! Planche de surf! Allez-y, Madame Goodway! Montez sur la planche en faisant très attention! Wouf! Planche de surf! Demi-tour! Oh, merci, Ruben. Comme diraient mes neveux, tu assures. Les amis, on doit aider Travis à remonter dans sa nacelle et réparer la fuite de son ballon. Allez! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Ruben. Ruben, mets toujours la garde. Et de Rocky. Ruff, réparer, c'est mon domaine. Ruben, Rocky, go, go, go! La voilà! L'île de Bill le Grand Pélican! Non, Travis, attendez! Bizarre, ce rocher ne semble pas très rocheux. Je trouve que ça ressemble à des plumes. Accrochez-vous bien, Travis! Ryder et les autres ne vont plus tarder! Répare vite ce trou dans la toile, Rocky. Ruff, pistolet à colle. On va appliquer de la colle à séchage rapide. Maintenant, utilise ton aspirateur pour remplir le ballon d'air chaud. Ruff, aspirateur. Préparez-vous, Travis. Vous allez sauter sur mon hoverboard et bien vous tenir. Peut-être qu'il faut d'abord que le grand Bill se calme. Les pélicans adorent le calamar séché. C'était moins une. Surtout, lâchez pas, Travis. Je vous ramène dans votre montgolfière. Et voilà. Encore une aventure de Travis, l'explorateur couronné de succès. Et c'est ainsi que j'ai trouvé, un peu par accident, l'île légendaire de Bill le Grand Pélican. Avec l'aide de la patrouille.
Ravi de vous avoir aidé, Travis. Si vous atterrissez sur un oiseau géant, il suffit de nous appeler. Je vole autour du monde dans mon grand ballon. Explorer et s'aventurer, c'est ce que j'aime le plus. C'est si beau. Quel que soit l'endroit, sur terre ou là-haut, sur la neige ou sur l'eau, je suis Travis l'explorateur. Et ceci est mon grand numéro. Oh, oh, une cigogne. Je vais t'appeler... Cigognetta. Oh, Cigognetta, nous y voilà enfin. On est au pôle Nord. Tiens, il n'y a pas de neige. Bonjour, Tracker. Comment ça va? Regarde! Quel magnifique paysage nordique! C'est Galinetta et Travis. Si, et il pense qu'il est au pôle Nord. On arrive tout de suite. J'ai un robot, mets le cap sur la jungle. Ryder, il est là-haut. Accrochez-vous, Travis, on va vous aider à descendre. Ryder, comment est-ce que vous avez fait pour venir jusqu'à ce pays où il fait si froid? Chase, il faut que tu déploies ton filet pour réceptionner Travis et Galinetta. On va vous faire descendre, Travis. Mais il faut faire vite, regardez. Cette aventure est de plus en plus palpitante. Chase, lance ton filet maintenant. Filet. Waouh! Où est l'araignée qui a fabriqué cette toile? Ça doit être une araignée géante. Voilà, maintenant il est temps de dire adieu au pôle Nord. Cela dit, je dois avouer que j'ai le cœur lourd, car j'ai dû quitter ma fidèle amie, Cigognetta. Mais j'ai une nouvelle compagne de voyage. Où allons-nous, Hamsteretta? Au complet et paré à l'action, chef. Merci pour votre rapidité. On a un double problème dans les égouts. Le réacteur de Danny X le Hardy est incontrôlable et la fusée n'arrive pas à éteindre ses rollers. La fusée? C'est qui ça? Mademoiselle Marjorie, c'était son surnom lorsqu'elle était championne de roller. Donc pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. J'aurai aussi besoin de Marcus. Je suis tout feu tout flamme. Parfait. La patte patrouille part en mission. Contente de te voir, Ryder. On n'a pas revu Danny et Mademoiselle Marjorie depuis qu'ils sont entrés dans ces tunnels. Chase, pars à la recherche de nos patineurs. Tout de suite, Ryder. Oh, drone. On va trop vite. Je peux pas m'arrêter. Tiens bon. Déploiement du pull en vert. Ils sont là. Marcus, Chase, vous allez devoir aller sur la rampe pour les arrêter. Génial. C'est trop chouette. Qu'il était, ce coquin de bouton. Merci. Merci, la patte patrouille. Cette aventure a été tellement extrême que je veux plus jamais revivre ça. À ton service, Danny. Si quelqu'un doit arrêter votre réacteur, il suffit de nous appeler. Ryder, heureusement que tu es là. On ne sait pas où nos petites chèvres sont allées. On va les retrouver et réparer la barrière de l'enclos. Hein, Rocky? Oui. Tournevis. L'enclos est réparé. En route. Bonjour, Madame Goodway. Tout va bien? Les petits biquets de Yumi ont fait des trous dans ma serviette de plage. On vient tout de suite. Les amis, les chèvres sont sur la plage. On va devoir les regrouper. Bien sûr. Par ici, les petits biquets. Ils ont sauté sur le radeau. Chouette. Mais qui est aux commandes? Le radeau a été emporté par l'eau. Mais ça n'arrive pas à un bon moment. Madame Goodway m'a dit qu'elle avait vu mes chèvres. Mais où sont-elles? On peut dire qu'elles ont pris le large. Zuma, un sauvetage en mer s'impose. Prêt à plonger dans la
Je vais vous aider, les petits biquets. Oh non, Ryder, les chèvres ont rongé les cordes du radeau et les troncs se sont séparés. Qu'est-ce que je fais? Il faut trouver un moyen de les rapprocher les uns des autres. Oh, la chèvre qui court, c'est la posture de yoga. Courez, mes petits biquets. Vous courez drôlement bien. Continuez, moi je vous pousse vers la plage. Oh, mes biquets, merci la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Quand vos petits biquets font un tour de radeau, il suffit de nous appeler. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de piquer un petit somme. Bonjour Al, bonjour Yumi. Alors, Astrid, je te donne rendez-vous place de la mairie à 15h, d'accord? Oh, j'adorerais y aller, mais je ne peux pas. Quoi? Mais il faut que tu sois là. Je veux dire, pourquoi tu ne peux pas? Je n'ai pas de voiture et je peux pas y aller en avion. Il n'y a aucune piste d'atterrissage sur la place. Compte sur nous, Astrid. Nous t'emmènerons à ton super goûter à ton super rendez-vous avec Stella. D'accord. Merci. À tout à l'heure, alors. Et soyez ponctuelle, mademoiselle. Ouah, j'en crois pas mes ailes, c'est magnifique! Oh non, nous avons oublié de lui faire un cadeau! Nous devons absolument trouver quelque chose avant que Yumi et Al ne conduisent Astrid jusqu'ici. Conduisent? Tiens, j'ai hâte d'avoir une super idée! Pourquoi tu cherches le cadeau d'Astrid sur l'île des déchets? Parce que la dernière fois que je suis venue ici, j'ai vu quelque chose qui serait parfait pour Astrid. C'était par ici! Nous pouvons lui donner un coup de neuf et le réparer à temps. Surtout si nous mettons tous la main à la pâte. Les couleurs sont sublimes, Marcus. Excellent travail, les amis. Je viens d'avoir une autre idée qui devrait plaire à Astrid. Je vais avoir besoin de ton aide, Rocky. C'est l'heure d'y aller. Je me demande pourquoi Stella m'a donné rendez-vous. Faisons vite, je ne voudrais pas être en retard pour ton goûter. Plutôt, pour ton rendez-vous. Surprise! Joyeux anniversaire! Waouh, c'est pour moi? Oui, c'est de la part de la patte patrouille. C'est parti, Astrid, montre-moi tes talents de pilote. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire au monde! Au complet et prête à l'action, chef. Selon Carlos et Tracker, une odeur bizarre pousse les animaux de la jungle à fuir leur maison. Oh, merde! En voulant s'échapper, un petit singe s'est blessé. Marcus, tu vas prendre ta trousse de secours pour soigner le singe blessé. Et de Stella, tu vas chercher l'origine de cette odeur avec ton hélico. La patte patrouille part en mission. Ah, on a trouvé Carlos et Tracker. Ryder, Marcus, merci d'être venu aussi vite. Marcus, examine la patte du singe. Radio! Ta patte va vite guérir, mon petit. On va juste lui mettre un bandage. Oh, merde! Stella, as-tu pu identifier d'où venait l'odeur mystérieuse? Je survole le marais. C'est bizarre, il y a plein de bulles vertes qui sortent de l'eau. Je crois que ce sont des bulles puantes. Bien joué, Stella! Beau bandage, Marcus. On va voir ce qui se passe au marais. On appelle ça du gaz des marais. Des plantes et des arbres pourrissent au fond du marais. Quand ils fermentent, ça produit un gaz puant qui fait apparaître ces bulles. Stella, fais du vent avec ton hélico pour pousser les bulles plus loin. Excellente idée, Ryder! Je trouve que ça sent déjà meilleur. Chase, Marcus, incident terminé. Vous pouvez ramener les animaux au marais. On s'en occupe, Ryder. On va pouvoir faire notre safari photo. Voici quelques amis qui sont d'accord pour qu'on les prenne en photo. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Galinetta et Rukoko filent à toute vitesse sur le gyroskate de Dani. C'est une catastrophe, Rukoko. Nous devons les arrêter. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Et de toi, Stella. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs. Super, la patte patrouille part en mission. Je suis si heureuse de vous voir. S'il vous plaît, sauvez mon trésor adoré.
Comptez sur nous. Stella, à toi de jouer. Lunettes. Ça y est, je les vois. Ils sont dans la benne de Madame Yumi. Que se passe-t-il, Ryder? Nous recherchons une poule et un coq. Ils sont là. Problème résolu. Ils s'envolent. Problème non résolu. Ils sont devant moi. Je les suis. Ils volent dans tous les sens. Je n'arrive pas à l'attraper. Et maintenant, ils se dirigent vers l'eau. Zuma, j'ai besoin de toi pour un sauvetage en mer. Et j'aimerais que tu viennes avec un objet spécial. À vos marques. Prêt? Plongez! Tenez bon, les amis. Ça va aller, je vais vous sauver. Vous et Epic Maïs. Bien joué, Zuma. Merci, la bête patrouille, d'avoir sauvé ma belle et douce Galinetta. Merci d'avoir sauvé mon roux Coco, qui est encore plus beau et plus doux. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à Cocorico pour nous appeler. Pat patrouille au complet et prête à l'action, chef. Et en tenue de chantier. Merci de vous être réveillés et préparés, les amis. La cabane d'Otis a été écrasée par quelque chose. Oh, pauvre oncle Otis. Je vais avoir besoin de l'équipe au grand complet pour reconstruire la cabane d'Otis. C'est pour cela que c'est... un sauvetage extrême qui nous attend. Je vais avoir besoin d'un expert du bâtiment qui sait parfaitement diriger une équipe. Ruben et son véhicule de construction. Ruben va mettre la gomme puissance extrême. La patte patrouille part en mission. Bon, je suis sorti deux minutes pour donner un petit casse-croûte à mon ami Castor et tout à coup, bam! C'est un gros chantier, oncle Otis, mais mon équipe de construction de l'extrême est là pour ça! On va commencer par tout nettoyer! Non, pas moi, le terrain! Marcus, sers-toi du mini-rouleau vapeur pour aplatir le sol! Wow. Zuma, utilise la mini-foreuse pour faire des trous pour les poteaux. Utilise ton crochet pour t'aider à soulever les murs. Troy! Bon travail, l'équipe! Et qu'un truc à dire, ça c'est de la construction de cabanes de qualité. On est très contents que tu sois rentré, Ryder. Oui, mais c'est quoi la surprise? Rex? Bonjour tout le monde, moi c'est Rex. Bonjour Rex. Ravi de te rencontrer. Bienvenue à la Grande Vallée. J'ai jamais rencontré de chien aussi gentil. Mais c'est normal puisque j'ai jamais rencontré d'autres chiens. Quoi? Tu n'as jamais rencontré de chien avant? Non, parce que là d'où je viens, je suis le seul et unique chien. Et tu viens d'où? Ça, c'est la deuxième partie de ma surprise. On va prendre le pas de patrouilleur? Non, regardez. Wow, c'est génial! Allez les amis, tous à bord! C'est très beau ici! Oui, c'est magnifique! Wow, c'est quoi? Bienvenue à la réserve des dinos. Ça, ce sont des tricératops. Et ça, des vélociraptors. Moi, je les adore. Oh, voilà des ptérodactyles. On dirait des oiseaux, mais vous savez que ce sont des dinosaures volants? Non, mais maintenant, je le sais. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Et voilà, c'est ici que j'habite. Oh! Wow,
Ah, c'est génial! Moi, je vis ici avec Taylor et le docteur Turbo. C'est la meilleure vétérinaire pour dinosaures du monde. Je n'ai jamais vu un endroit aussi extraordinaire. Oui, dites, est-ce qu'on peut visiter la réserve dans le Dino Patrouilleur? Hey, j'adore le nom que tu as trouvé. C'est parti, tous au Dino Patrouilleur. Chevalier au complet et paré à l'action, messire. On doit sauver Vicky qui est coincée sur le dos de Braise. Et réparer les dégâts sur le terrain. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Prête pour un décollage chevaleresque. Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Tenez-vous prêts, les chevaliers partent en mission. Fort heureusement, vous avez fait vite, mes amis chevaliers. Stella, est-ce que tu vois quelque chose? Eh bien, pour l'instant, je ne vois ni Braise ni Vicky. Pas de problème. Alors continue de chercher et préviens-nous dès que tu as du nouveau. Ce poteau est cassé en deux. J'ai pile ce qu'il faut dans mon camion pour le réparer. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Très bon travail, chevalier Rocky et Ruben. Stella, est-ce que tu as repéré notre dragon? J'ai trouvé Braise, mais il vole dans tous les sens, alors impossible de m'approcher pour sauver Vicky. Essaie d'attirer son attention, Stella. Ah! Vous pourriez me les lancer, s'il vous plaît? Merci! Braise! On dirait des énormes guimauves, tu ne trouves pas? Viens vite les chercher! Je te tiens. Oh, hurra! Merci Ryder et merci les chevaliers d'avoir sauvé notre grand tournoi. Je vous en prie, votre majesté. Et si jamais un ancien chevalier vous embête, il suffit de nous appeler. Chef. La porte d'entrée de la serre est bloquée, ce qui veut dire que Madame Goodway, Galinetta et Monsieur Ellinger sont coincés à l'intérieur. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Et toi, Everest? Neige ou verglas, je suis toujours là. Génial, la patte patrouille part en mission. À toi de jouer, Everest. Supprime cet énorme tas de neige. Je suis prête pour le grand frisson. Super, bon travail. Il n'y a plus qu'à réparer la porte. Compte sur moi. Oh, 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 il fait beaucoup trop chaud. Si vous avez chaud, alors enlevez votre manteau. Je vais mettre la climatisation. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ne baisses-tu pas la température? Attention, vous risquez de... de le casser. On a réussi. Maintenant, allons chercher les deux mères. Nom d'une poule. Qu'est-ce qui se passe, Ryder? La patte patrouille. Est-ce que ça va? Il fait très froid ici. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Ellinger a cassé le thermoécran. S'il fait trop froid dans la serre, les plantes ne vont pas tenir. On va réparer l'écran. Merci beaucoup, Ryder. Pendant ce temps, Galinetta et moi allons nous réchauffer dans la neige. Ah, effectivement, il est bien cassé. Est-ce que tu peux le réparer, Rocky? Oui, pas de problème. Ouf. Tournevis. Ça y est, ça fonctionne. Contrôle de température activé. Bon travail, Rocky. Les plantes devraient se réchauffer en un clin d'œil. Et je déclare officiellement cette serre ouverte. Merci d'avoir sauvé nos plantes, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si jamais votre serre se refroidit, il suffit de nous appeler. Tenez-vous prêts, car pour le 100e anniversaire de notre cloche, ma Galinetta d'amour va vous présenter son nouveau numéro. Oh, regardez, elle agite ses ailes pour souhaiter à tout le monde une bonne fête de la cloche. Oh, très impressionnant. Tout ce qui brille est à moi. Oh, d'où vient ce bruit? Tout ce que je veux, c'est voler cette poule et son beau chapeau qui brille. Laissez ma Galinetta tranquille. Donne-moi tout de suite ce chapeau. Je ferais mieux d'appeler la patte. Oh, tout va bien, Madame Goodway? Galli! Oh,
Wow! Mettez-vous à l'abri tout de suite! Mais rassurez-vous, aucune poule n'est trop grosse car mes amis, ils assurent! Oh! Oh non, ne me dites pas que ces chiens vont encore m'embêter! Vite, Ruben! Écarte les obstacles! Entendu! Non! Pas de panique! Félicitations, Ruben! Chase, dis aux piétons de s'éloigner! Messieurs, dames! Vite, allez-vous-en! Une poule géante fonce droit vers nous! À toi de jouer, Ella! Essaie de conduire Galinetta en dehors de la ville! Prête pour ma grande mission! Coucou, Galinetta! Viens, suis-moi! Merci beaucoup, la super patrouille, d'avoir sauvé cette formidable fête! Et un grand merci à toi, ma Galinetta, d'avoir rétréci pour que je puisse te serrer dans mes bras! Oh! Oh! Je vous en prie, y a pas de quoi! Si jamais vous avez besoin d'aide, faites ding-dong pour nous appeler! Pat patrouille au complet, pain et à l'action, chef! Notre mission se situe à la montagne de Jake et nous devons faire vite, car oncle Otis ne parvient pas à arrêter son wagonnet. Allez! Nous allons devoir l'aider à le stopper avant qu'il ne s'écrase. Pour cette mission, j'ai besoin d'Everest. En utilisant ton chasse-neige et en actionnant le grappin à bois, cela te permettra d'extraire Otis. Ruben! Il se peut que dans sa course, le wagonnet endommage le chalet d'Otis. Donc, à l'aide de ta pelle, tu formeras un énorme tas de terre pour faire un barrage. Il est là, à quelques mètres. Grappin à bois! La pipe patrouille! Et voilà! Bon rattrapage, Everest! Je vous en prie, ma pépite! Rattrapez-la! Ruben, est-ce que tu pourrais tracter le wagonnet? Pour Ruben, ce n'est pas un problème! Je croise les pattes! Pépite! Oh oh! Everest! Attention, la pépite redescend! Ma pépite, elle revient! Elle va nous écraser si on ne bouge pas! Marcus, rendez-vous sur les berges au pied de la montagne! Accrochez-vous! C'est bon, ça a marché! Mais c'est au tour de la famille Castor d'être en danger! Dépêche-toi, Marcus! Il faut que tu inondes la terre avec ton canon à eau. Sur une grande largeur, la boue stoppera la pépite. C'est parti! Je remercie du fond du cœur les pattes patrouilles d'avoir sauvé la chose la plus précieuse au monde. Vous parlez de la pépite? Non, je vous parle de mon nouvel ami et de sa petite famille. D'étranges papillons survolent la grande vallée en semant la panique sur leur passage. Ryder, les papillons ont l'air de venir de la forêt. En voilà un. Hey, ce sont des papillons monarques. Ils suivent en général un papillon de couleur plus foncée qui leur sert de guide pour trouver de la nourriture. Sans leur guide, les autres papillons pourraient ne pas trouver leur nourriture. Reçu 5 sur 5, Ryder. Je vais essayer de repérer le papillon qui mène la danse. Il faudrait que les papillons monarques suivent leur éclaireur. Oh, je sais! Chien robot, retourne au point de rassemblement. Stella, survole les lieux et localise d'autres arbustes. Bien reçu! Rocky, on va avoir besoin de ton camion. Toujours prêt à aider. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Zuma, tu es le papillon éclaireur. J'ai équipé ta médaille pour qu'elle émette les mêmes sons que les papillons. En avant, pas de papillon! On a des papillons monarques à déplacer. Stella, as-tu trouvé ce que nous recherchons? Affirmatif, Ryder. Et pas qu'un peu, il y en a des dizaines. Très loin de la vallée. Génial, je t'envoie toute l'équipe ainsi qu'une ribambelle de papillons. Marcus, j'ai l'impression qu'on en a perdu en route. Je vais vérifier. Allez, vous êtes presque arrivés. Vous allez pouvoir vous reposer un peu plus loin. Excellent travail, les amis. Grâce à vous, les papillons ont trouvé à manger. Et nous, on rentre à la Grande Vallée. Vas-y, mon grand. Je t'accompagne jusque chez toi. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Maurice est sorti de l'eau et maintenant, il se balade en ville. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de l'eau? À nous de le découvrir.
Pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Tu chercheras Maurice à bord de ton hélicoptère. Et ensuite, tu garderas un œil sur lui jusqu'à ce qu'on le ramène au port. Bouf, prête pour un petit tour dans les airs. Super, la Pâte Patrouille part en mission. Vous avez trouvé Maurice? Non, je ne pensais pas qu'un morse pouvait se cacher aussi facilement. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est coincé dans une bouche d'égout juste en face de l'hôtel de ville. On arrive tout de suite. Alors Marcus, qu'est-ce qu'il dit? Son meilleur ami lui manque beaucoup. Il refuse de retourner au port sans le capitaine Turbo. Merci beaucoup. Stella, Marcus, Rocky, partons à la recherche du capitaine. Chase, reste là et mets en place un périmètre de sécurité. Compte sur moi. Ouf. Cone. Trouvé, Ryder. Le capitaine Turbo est sur une corniche. D'accord, bien joué. Maintenant, attrape-le avec ton harnais et ramène-le à l'hôtel de ville. Entendu. Ruff. Harnais. Coucou, Maurice. Sors de là pour qu'on puisse retourner au port tous les deux. Ça a marché. Stella, tu n'as plus qu'à le guider vers le port maintenant. Par ici, mon grand. Ryder, la Pâte Patrouille, merci de nous avoir permis à Maurice et à moi d'être enfin réunis. Y a pas de quoi, capitaine. Si votre morse n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler. Une tempête approche à grande vitesse, Everest! Viens te mettre à l'abri! Oh non! Le louveteau risque de se perdre dans la neige! Il faut que j'aille l'aider! N'aie pas peur! Je vais te guider! Viens, on va chercher un endroit où s'abriter! Regarde! Une grotte! Suis-moi! On est à l'abri ici. On va attendre un peu que la tempête se calme. Oh, c'était pas prévu. Oh, ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de sortir. La neige s'est transformée en glace. Impossible de creuser un trou. J'ai une idée. Ouf. Grappin. Voilà qui est mieux. Viens, petit loup, c'est amusant. Tu ne veux pas m'aider? Quand il y a beaucoup à faire, les amis peuvent t'aider. Et en chantant un petit air, la 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 la. Oh, ça risque de prendre du temps. C'est la Pâte Patrouille! Continue de creuser, petit loup! On va bientôt sortir d'ici! Vous nous avez trouvés! Content de te voir! Bravo! Pâte Patrouille au complet, paré à l'action, chef! Merci d'avoir fait aussi vite, les amis! Al, Yumi et Bettina ont traversé un pont. Mais celui-ci s'est relevé et s'est bloqué. Il se retrouve donc coincé tout en haut. De Chase, tu utiliseras ton treuil pour tirer leur véhicule et l'empêcher de tomber. Marcus, tu grimperas sur ton échelle pour attacher le crochet. Et Rocky, tu répareras le pont à l'aide de tes outils. La Pâte Patrouille part en mission. Tu as fait vite, Rocky. Cette roue semble être à la bonne taille. Mais elle n'a pas le même nombre de dents. C'est parfait. Chase, tire un petit peu plus. La taille et le nombre de dents correspondent. Clé à cliquer. Tu as bientôt fini, Rocky? Plus que quelques minutes. J'appelle tout de suite du renfort. Stella, j'ai besoin de toi pour un sauvetage aérien. Prête pour un petit tour dans les airs. Chase, utilise ton filet pour amortir sa chute. Mais elle va atterrir de l'autre côté du pont. Rocky, occupe-toi du trail. Chase, allons de l'autre côté avec mon quad. Faites attention, il y a un grand espace entre les deux.
aide le fermier Hal à redescendre en rembobinant le crochet et en reculant. Pas de problème. Oh là là. Merci beaucoup pour votre aide, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me pour nous appeler. Patte patrouille au complet et prête à l'action, chef. Parfait. Parce qu'on doit faire face à une urgence sur l'île au versant d'or. Oh, par la neige, alors qu'ils sont sur une île tropicale? Oui, Alex et Monsieur Porter sont bloqués par la neige sur une montagne. Il faut les retrouver et les aider à descendre. Chien robot, récupère le chasse-neige d'Everest, puis direction l'île. J'adore les raquettes que tu nous as fabriquées. On va jouer à quoi? Un jeu qui s'appelle « On descend à la plage ». C'est un espace ouvert et vaste. La patte patrouille nous y trouvera sans problème. Super! Moi d'abord! Wow! Regarde, papy! Je fais du ski! Sois prudent, Alex! Ouais! Oh non! À plus tard, l'alligator! Alex, il faut qu'on ralentisse un peu! Je ne crois pas que j'y arriverai, mais j'adore ce jeu! Oh, on fonce vers une falaise! Visière activée! Ryder, j'ai un visuel sur Alex et Monsieur Porter. Ils dévalent la montagne, mais on dirait qu'ils se dirigent vers une falaise vertigineuse! Everest, rejoins le pied de la falaise en chasse-neige et rassemble un gros tas de neige! Fonce! Bien reçu! Voilà un coussin bien moelleux et prêt juste à temps! Monsieur Porter, vous n'avez rien? J'ai adoré! On peut refaire un tour? Je vais vous amener à bord de l'air patrouilleur, vous y serez bien au chaud! Je ne pensais pas que le camping sous la neige pouvait être aussi chouette! Merci beaucoup à la patte patrouille et à toi! Il n'y a pas de quoi! Si vous avez une météo capricieuse, il suffit de nous appeler! Patte patrouille au complet, paré à l'action, chef! Merci d'être arrivé si vite! Car le temps presse, nous devons nous dépêcher. Le vaisseau spatial du capitaine Gordy va à la dérive. Nous devons aider le capitaine Gordy à atterrir en toute sécurité en fabriquant une plateforme d'atterrissage, et vite. Il s'agit donc d'une mission de construction et de sauvetage extrême. Entendu, tu peux compter sur nous. J'ai besoin d'un expert en construction pour mener l'équipe. Ruben, tu utiliseras ton super engin de chantier. La patte patrouille part en mission. Oh non! Gordy devrait atterrir là, mais notre plateforme est trop grande! Il n'y a pas assez de place! Oh, si on manque de largeur, on prend de la hauteur! Que veux-tu qu'on construise, Ruben? Faites-moi confiance et suivez mes instructions! Tout d'abord, nous allons démonter notre plateforme. Plutôt que de jeter, il faut recycler! Zuma! Creuse des trous juste ici. Ryder et Chase, insérez les piliers dans les trous. Oh, je vois le vaisseau de Gordy. Le temps presse, faisons vite. Le capitaine Gordy compte sur nous. Ruben, tu as construit la meilleure piste d'atterrissage. Un toboggan en spirale. Le capitaine Gordy arrive! Ryder, tu m'entends? Le capitaine Gordy va bien? Il vient d'atterrir, il est sain et sauf. Merci Ryder, tout ça, c'est grâce à toi. C'est Ruben que vous devez remercier. Patte patrouille des mers au complet et paré à l'action, commandant. François et le capitaine Turbo sont coincés au fin fond des profondeurs. Wow! Les baleines sont douces en général. Je n'en ai jamais vu qui agissent de cette façon. Moi non plus. Quelque chose doit la perturber. Mais d'abord, il faut qu'on aide les turbos. Et pour cette mission, j'ai besoin de Zuma. Tu vas distraire la baleine et l'éloigner de la cloche de plongée. Et Ruben, tu utiliseras ton engin pour remettre la cloche dans le bon sens. Hurrah! Les renforts sont là! La baleine est là, elle aussi! Zuma, essaie d'attirer la baleine ailleurs. Hé, la baleine! Tu veux jouer à chat? Je parie que tu m'attraperas pas!
Ok, Ruben, tu vas pouvoir y aller. Oh, merci Ruben, content d'être à l'endroit. Allez, on décolle. Hé, elle est passée où la baleine? Ah, la voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ryder, il y a un souci avec la baleine. Elle n'arrête pas de se frotter la mâchoire. Tu peux aller voir de plus près? Ça y est, je vois ce qui la gêne. Elle a quelque chose coincé entre les dents. Rocky, allons aider Zuma à s'occuper de ses grosses dents. Regardez, elle a une branche coincée entre les dents. Il faut vite qu'on trouve un moyen de la soulager efficacement. Je m'en occupe, Ryder. Génial, la corde de taboué. Excellente idée. Couvre bien grand maintenant. On a réussi. Super travail d'équipe, les amis. Et si jamais t'as un autre problème dentaire, n'hésite pas à nous appeler. Pat Patrouille des mers au complet et paré à l'action, commandant. L'épave du sloop a été enlevée par Sid Laratis. Alors il faut qu'on rattrape ce sloop et qu'on le ramène à sa place. Ah, pourquoi ça avance aussi lentement? Qu'est-ce qui se passe? Ryder, nous suivons toujours le sloop. Mais les choses prennent un tour étrange. C'est un peu comme s'il était en train de faire marche arrière. C'est une limace de mer géante qui nage à contre-courant. Il utilisait le sloop à la manière d'un escargot qui s'abrite sous sa coquille. Cette épave, c'est son refuge. Sid, ici Ryder, il faut que tu abandonnes l'épave. Ah, un pirate n'abandonne jamais rien. Je l'ai trouvé, il est à moi. Ok, Rocky, on va devoir couper le câble. Prépare ton chalumeau. Je suis sur place, j'attends ton signal. Chase, la limace de mer devra rester tranquille pendant qu'on coupe le câble. Il y a un seau avec du calamar séché sur ton bateau. Ça l'occupera. C'est bon, je l'ai trouvé. Approche encore, Rocky. Maintenant. La limace s'est calmée. Maintenant. Chase, tu peux descendre le treuil. Rocky, fixe le treuil au mât du sloop. Treuil fixé. Tu peux tirer, Chase. Montrons-lui où le sloop se trouvait. La limace sera heureuse de retrouver son univers. C'est juste ici. Ryder, merci encore d'avoir sauvé ce lieu merveilleux et notre monstre marin. Tout le plaisir est pour nous. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas pour nous appeler. Super patrouille au complet et prête pour une super opération, chef. Merci d'être venu aussi vite, la super patrouille. Apparemment, les chatons de Monsieur Hellinger ont des super pouvoirs. Ils en profitent pour semer le chaos dans toute la Grande Vallée. Il va falloir faire appel à vos incroyables pouvoirs pour les arrêter. Super Chase, rattrape le chaton qui a volé le thon grâce à ton super bolide et ta vitesse supersonique. Récupère le thon et ramène-le à Monsieur Porter avec ton super filet. Super Stella, grâce à ton avion Tornade, tu vas ramener la cargaison de poissons du Capitaine Turbo. Et Super Ruben, à l'aide de ta force et de ton super treuil, tu vas remettre le bateau du Capitaine Turbo à flot. La super patrouille part en mission. Petit chat, rends les boîtes de thon. Tu es peut-être aussi rapide que moi, mais tu n'as pas de super filet. J'arriverai jamais à faire bouger ce bateau, il est bien trop gros. Attendez, Capitaine Turbo, je vais le pousser jusqu'à l'eau. Merci pour le super coup de pouce, Super Ruben. Tu as repéré le poisson du Capitaine Turbo, Stella? Non, pas encore. Par contre, je viens de voir les vachettes du fermier. Elles arrivent au niveau du carrefour. Ruben, direction le carrefour. Il faut arrêter ce super chaton. Compris. Repose ces vaches immédiatement. Je vais devoir utiliser le pouvoir de mes pattes magiques, alors. Ryder, ça y est, je vois les poissons du Capitaine Turbo. À moi de jouer. Je les ai eus. Bravo, ramène le seau de poisson à l'alimande. Nous, on s'occupe des boîtes de thon et des vaches. Beau travail, Super Patrouille.
tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo. Et ces grandes statues, François? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo. Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque. Quelle légende fascinante! Oui, fascinante et étincelante! Oh! Ce n'est pas une pierre précieuse, c'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super pouvoirs! Ces statues bougent, je n'ai pas rêvé. Arrêtez! Oh, ça alors, on dirait que vous m'avez obéi. Apportez-moi le coffre au trésor là-bas. Je peux leur demander ce que je veux. Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille. Bon, je vous explique. Nous allons faire sortir du musée Madame Pi en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue. Et nous récupérerons la statuette de Lupo. L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue. On l'aura. Vous comprendrez quand on volera dans notre super avion au-dessus du désert. Maintenant, voilà la suite du plan. Oh, c'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses. Oh, elle est tellement énorme, tellement étincelante. Portez-la au musée, dans mon repère. Quoi? Je vous ai bien eu, Madame Pi. Quoi? Tu n'es pas une statue? Non, je suis de la super patrouille. Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous. Merci beaucoup, Pat Patrouille. Vous avez sauvé l'exposition en rapportant son joyau. Mais de rien, si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler. Au complet, prête à l'action, chef. Danny a décidé de réaliser une cascade en pique-niquant au-dessus du vide. Et maintenant, à cause du vent, il se retrouve la tête en bas. Heureusement, il a prévu une sécurité, mais nous devons le sortir de là. J'arrive avec le filet. Salut, Danny. Je m'appelle Danny Xlerdy. Je vais te remettre à l'endroit, d'accord? Fais attention, je ne veux pas que mon super repas de l'extrême tombe! D'accord, mais on est là pour te sauver, toi. Le reste attendra. Pince! Enfin, ça n'a pas été facile. Mais pourquoi Ryder est là? J'y suis presque! Heureusement que tu as mis le filet! Merci! Je peux voler avec mon vélo? Ma vidéo va faire un carton! Je suis un expert du vélo volant! Oh, presque! Oh, Danny a encore besoin d'aide! Les amis, rejoignez-nous dans les airs pour rattraper Danny! Filet! Tiens, jusqu'à ce qu'on atterrisse. D'accord, je crois que c'est une excellente idée. Voilà. Quelle efficacité! Vive la patrouille! Sacrée cascade, cher fan! Si ces figures incroyables ont été un succès, c'est grâce à la patrouille! Merci, Ryder! Oh, de rien! Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler! Patrouille au complet et parée à l'action, chef! Merci d'être venu si vite! Danny et Astrid escaladent El Grande, mais ils ont fâché un aigle sans le vouloir. À cause de lui, ils sont bloqués sur une corniche. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Avec ton hélico, tu vas faire distraction pour que l'aigle laisse Astrid et Danny tranquilles. Ruff, je suis parée au décollage. Et aussi de Chase. Avec ta tyrolienne, tu vas aider Danny et Astrid à descendre de la corniche. L'agent Chase est sur le coup. Génial! La patrouille part en mission. Je suis extrêmement content de te voir. Cet aigle veut pas nous laisser tranquille. Stella, éloigne l'aigle de Danny et d'Astrid. Bien reçu, Ryder. Oh là là, cet aigle est immense. Il a des serres puissantes et un bec terriblement pointu. Par ici, mon joli. Allez, c'est ça, suis-moi. Ah, j'ai compris, tu as envie de jouer. Tu n'es pas si effrayant, finalement. Tu veux simplement t'amuser. Ah.
Jolie figure. Astrid, Dani, tenez bon. On va vous aider à descendre avant que l'aigle ne revienne. Chase, envoie ta tyrolienne. D'accord. Ouf. Tyrolienne. Attention, me voilà. À ton tour, Dani. Tu peux y aller. Je suis soulagée que tu n'aies rien. Moi aussi. Merci, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Oh, ma perche à selfie. Merci, grand aigle. Astrid, ça te dirait qu'on retourne grimper? Je suis toujours partante. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Monsieur Hudson m'a dit que le train qui transportait le matériel de la fête foraine était coincé dans le tunnel. Oh, les enfants risquent d'être extrêmement déçus. C'est pour cette raison que nous devons intervenir au plus vite. Pour cette mission, j'ai donc besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme. Et de toi, Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Super, la patte patrouille part en mission. Comme je suis heureux que vous soyez venus. Oh, cet incident tombe vraiment très mal. Tout va s'arranger. Montrez-nous où vous êtes coincé. Oh, ah, je comprends mieux maintenant. Ruben, tu crois que tu pourrais élargir le tunnel? Ruff, foreuse. Rocky, pourrais-tu remettre tous les éléments en place pour que le train puisse poursuivre sa route? Oui, je m'en occupe. Qu'est-ce que t'en penses, Ryder? Parfait, excellent travail. Le train va bientôt pouvoir repartir. Il me reste une dernière chose à charger. Venez voir, vous allez adorer. C'est bon, il n'y a plus de danger. Nous pouvons y aller. Restons à l'arrière pour être sûr qu'aucun objet ne bouge. Je vais finir de tout nettoyer. Monsieur Hudson, nous sommes à bord. Alors, direction la fête foraine. Est-ce que tu as vu mon reflet dans le miroir déformant? J'avais des jambes toutes petites. Oui, c'était très drôle. Le clown qui est sorti de sa boîte m'a fait sursauter. Merci, c'est gentil. Non, merci à vous. Nous n'aurions jamais eu de fête foraine sans la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Et si jamais votre train est coincé, il suffit de nous appeler. Oh, la relique en or n'est plus là. Les amis, opération détection pour la retrouver. Ryder, Carlos, venez voir. J'ai trouvé des empreintes ici. C'est la première fois que je vois ça. Waouh, elles sont énormes, ces pattes. La relique a disparu et un animal aux pattes gigantesques est passé par là. C'est lui qui l'aurait volé. On ignore à quel animal on a affaire. Par contre, on sait que la relique fait partie du patrimoine historique. Alors, il faut la retrouver. Ryder, je vois quelque chose de doré et de scintillant qui se déplace d'arbre en arbre. Cette voix, c'est celle de Mandy. Elle a sûrement des ennuis. Oh non, la créature l'aurait capturée. Vamos, je viens à ton secours. Sois prudent, la relique est sur le point de tomber à l'eau. Stella, peux-tu l'attraper avec ta pince? Est-ce que vous voyez sur ce cylindre les formes en relief qui ont été sculptées? Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux empreintes mystérieuses. Donc ce n'est pas une étrange créature aux grosses pattes qui est à l'origine de ces traces? C'est la relique qui les a faites? Oh, avec l'aide des singes! Merci d'avoir ramené le morceau de pilier en lieu sûr. Aucun problème! Si vous avez besoin d'un coup de main, dites! Et on arrive! Patte patrouille au complet, prête à l'action, chef! Un chien policier! Comme vous le savez, les petits chats du roi devaient venir à la Grande Vallée. Bah oui, mais pourquoi ils viennent plus? Ils ont disparu. Ce qui veut dire que nous allons participer activement à ces recherches. Chase, en charge de l'ordre public, c'est toi qui prendras en main les opérations. Compris, chef! Chase est sur le coup pour ce super sauvetage!
Je vous demande d'accueillir chaleureusement les nouveaux membres des chatons qui sèment la pagaille. Mais pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Allez, on se réveille, vous ferez la sieste après. Et vous deux là, au travail. Veuillez arrêter la machine, monsieur Ellinger. Poussez-vous, je n'ai pas besoin de vous. Il refuse d'obtempérer. Je crois que j'ai une idée. Rocky, Stella, j'aimerais que vous atteigniez au plus vite le bas de la prochaine pente. Stella, tu lanceras le tapis à clous depuis ton hélico. Rocky, tu le mettras en travers de la route. C'est parti! Où sont nos invités? Elisabeth, Henri! Bienvenue à la Grande Vallée. Merci encore, la Patte Patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior.